Bienvenue dans le monde de Rouge Papier. Pour fêter Halloween, aujourd'hui nous allons confectionner cette toile d'araignée en papier laqué rouge. On peut également utiliser ce orange pour le faire. Ensuite, nous fabriquons l'araignée grâce au modèle que nous disposons. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. Pour la toile d'araignée, nous allons utiliser des papiers de ce bloc de travaux manuels multiple premium. Vous trouvez dans ce bloc toute une variété de papiers, ainsi que du papier feutre et du papier mousse Eva. Pour commencer, prenez cette feuille de papier laqué rouge pour faire la toile d'araignée. Prenez un coin de la feuille et faites-le revenir vers le haut comme ceci. Découpez la partie du papier qui dépasse en zigzag, en ligne droite, au choix. Pliez comme ceci et faites un triangle. Pour finir, pliez de nouveau en faisant un triangle. Avec le ciseau, découpez des bandes sans aller jusqu'en haut. Pliez et découpez les bandes en alternant une sur deux. Ouvrez la toile d'araignée. Vous avez plusieurs modèles. Passons maintenant à l'araignée. Regardez les différentes formes de toile d'araignée que vous pouvez faire. À l'aide du modèle, découpez celui de l'araignée. Si vous voulez faire une toile d'araignée plus grande, vous pouvez utiliser du papier cartonné au format A3. Nous allons confectionner notre araignée sur du papier cartonné. Nous disposons ici d'un paquet de 100 feuilles de papier cartonné de la marque Leader Papel de différentes couleurs. Je vais prendre du noir. Posez le modèle et découpez.
Le modèle que j'ai apporté a été réalisé avec du papier mousse Eva, mais vous pouvez faire comme moi et utiliser du papier Bristol. Avec cette toile d'araignée, vous pouvez décorer les salles de classe ou les pendants chez vous. Vous pouvez également disposer des petits bouts de laine autour de la toile et prendre des chauves-souris. Vous pouvez tout aussi bien vous servir dans l'araignée avec une noix. Vous pouvez aussi vous servir de l'araignée avec une noix et lui faire des pattes avec des pailles. En bref, vous pouvez peaufiner votre œuvre de mille et une façons. Notre araignée est maintenant terminée. Et voici d'autres modèles que vous pouvez confectionner à l'occasion de l'Halloween. À bientôt pour une nouvelle vidéo dans le monde de Rouge Papier.